Alors, les jugements de Dieu ne sont pas spécifiques au Moyen-Âge chrétien. Les ethnologues et les anthropologues en ont rencontré dans les sociétés que nous avons appelées ou que nous appelons encore primitives. Et aujourd'hui encore, des ordalies sont pratiquées en Afrique. Les jugements de Dieu sont en effet des ordalies, c'est-à-dire des épreuves. Et je redirai tout à l'heure un mot sur le vocabulaire ou les expressions qui le désignent au Moyen-Âge. Alors, je vais surtout évoquer les ordalies au XIe et au XIIe siècle, parce que c'est la période qui est, durant le Moyen-Âge occidental, la mieux documentée, et de très loin, sur cette question. Cela dit, à cette époque, on va dire du Moyen-Âge central, les ordalies ne sont pas nouvelles en Occident. Dans un livre qui était entièrement consacré aux ordalies du chaudron et du fer chauffé, l'historien américain Robert Bartlett, en 1986, Trial by Fire and Water, Bartlett a montré quelle était la chronologie des ordalies. Et il distingue deux phases. Une phase avant 800, une phase après 800. Avant 800, bon, il y a peu de témoignages documentaires. Il en cite surtout à partir du 6e siècle. Alors depuis 1986, les historiens ont quand même étendu, augmenté la liste des cas, on en connaît un peu plus. Malgré tout, les exemples se comptent sur moins d'une dizaine, sachant qu'il y a quelques cas un peu limites. Par contre, après 800, nous avons beaucoup plus, nettement plus de témoignages documentaires. Il existe une grande variété d'ordalies, mais toutes ne se déroulent pas dans un contexte judiciaire. Il y a un exemple qui est bien connu à Antioche, au moment de la première croisade, le 12 avril 1099. On découvre un prêtre, Pierre Barthélemy, découvre la Sainte Lance dans une église, c'est la lance qui a transpercé le Christ. Et pour venir à bout de l'incrédulité des croisés, eh bien, Pierre Barthélemy passe et repasse entre deux murs de feu, séparé d'à peine la largeur d'un an. Non, mais c'est une ordalie, ce n'est pas un contexte judiciaire. Bon, 12 jours après, il va mourir. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est à cause de l'ordalie ou pas. Enfin, bon. Mais dans l'immédiat, il réussit son épreuve. Alors, dans cet exposé, je n'évoquerai que les ordalies subies dans un contexte judiciaire. En Occident, on peut citer les ordalies de la croix, du pain et du fromage, de l'Eucharistie, des socles de charrue chauffées à blanc. Elles sont connues à partir du 9e siècle, mais les plus fréquentes se ramènent en réalité à trois, et dont deux sont liées au feu. Deux d'entre elles sont représentées sur les très rares images d'ordalie, en fait elles sont surtout connues par des textes. Ces deux images figurent d'ailleurs sur la couverture de l'ouvrage de Robert Bartlett et puis d'un ouvrage ancien qui s'appelle La Preuve, paru dans les années, au milieu des années 60. Ces deux images proviennent d'un manuscrit du 12e siècle de l'abbaye bénédictine de Lambach en Autriche. Alors, les ordalies du feu sont celles du chaudron et de la barre de fer brûlant. Il faut donc y ajouter l'ordalie de l'eau froide. Alors, dans l'ordalie de l'eau froide, le patient est attaché et relié par une corde qui permettra de le remonter s'il coule. Car s'il est innocent, il va couler. Car il a été plongé dans un bassin d'eau bénite. S'il est innocent, l'eau l'accepte. Donc il coule. Et s'il est coupable, bien l'eau le rejette, donc il flotte. Alors, l'intérêt de l'ordalie de l'eau froide, vous voyez, c'est qu'on a le résultat tout de suite. Pour les autres, nous verrons, c'est un petit peu plus long.
Pourquoi fait-on une ordalie? Essayons de voir, je vais dire quelques mots, des faits que l'on voulait juger. Alors, pour les cas les plus anciens, il faut se référer donc à un minimum, à très peu de documents. On les trouve dans les lois barbares, ce sont celles qui nous donnent le plus d'éléments. Robert Bartlett, dans son livre, a fait le panorama des cas pour lesquels on fait une ordalie, et nous avons une liste assez longue. Je dirais qu'il mentionne à peu près toutes les catégories de crimes liés à la sexualité, les meurtres crapuleux, les vols perpétrés la nuit, mais aussi les ordalies liées à la foi et notamment comment déterminer l'orthodoxie. Alors ceci dans le cas où quelqu'un a été accusé d'hérésie. D'une façon générale, on peut dire que le point commun aux ordalies, aux causes d'ordalie, c'est qu'il s'agit de dévoiler aux hommes une vérité cachée lorsque, au fond, on ne peut pas la découvrir autrement et lorsque, notamment, le témoignage manque. On n'a pas de témoin, on peut faire une ordalie. Alors, ces causes, j'ai dit, elles sont mentionnées dans les lois barbares, sinon Robert Bartlett les a lues dans des récits, dans des chroniques ou dans des correspondances. Après 800 et surtout après 1000, les chartes vont nous permettre d'étendre encore la liste des causes d'ordalie. Et là, la liste s'étend pratiquement à toutes les causes que l'on appellerait aujourd'hui civiles. Mais, et c'est l'apport, je dirais, peut-être le plus intéressant des chartes à partir du XIe siècle, c'est qu'elle nous renseigne également sur les stratégies qui ont été mises en œuvre pour résoudre les conflits, ce que les récits des époques précédentes ne nous permettent pratiquement jamais de faire. Et c'est pourquoi je vais m'intéresser dans cet exposé aux ordalies de cette époque. Et je vais plus spécifiquement m'intéresser aux ordalies en Anjou. Alors, bien sûr, c'est parce que je les ai étudiées, mais il y a une raison pour laquelle je les ai étudiées. C'est que dans cette région, la documentation nous donne de nombreux cas d'ordalie. Les régions limitrophes sont beaucoup moins documentées. Les historiens se sont demandé pour quelles raisons, au fond. On pense que la raison est d'ordre documentaire, parce que les ordalies sont connues partout en Europe occidentale, les autres régions en connaissent, mais les documents n'en parlent pas. La bonne raison est probablement que les chartes angevines sont très narratives. Le rédacteur expose les circonstances des litiges. Pourquoi ces chartes sont-elles très narratives? Évidemment, après, on a une sorte de succession de questions. C'est peut-être lié aux écoles épiscopales qui ont formé des rédacteurs. Bon, on n'a pas de réponse absolument sûre. En tout cas, donc, nous retiendrons que la région angevine à cette époque nous offre un grand nombre de cas d'ordalie et cela justifie que je concentre mon exposé sur cette région. Malgré tout, il n'y a pas que les chartes de cette époque qui soient précises sur les ordalies. Nous disposons également, et nous avons la chance de bénéficier de la correspondance de l'un des plus grands auteurs de droit canonique à cette époque, c'est l'évêque de Chartres, Yves, né en 1040 et mort en 1116. Et comme c'est quelqu'un qui a une grande science, eh bien, il est consulté. Il a un grand nombre de correspondants, et de correspondants ecclésiastiques, bien sûr, en grande majorité, mais également de correspondants laïcs.
Donc ils lui demandaient conseil quand ils avaient affaire à des cas épineux, à des cas difficiles, et justement les cas d'ordalie sont les cas difficiles, et donc j'évoquerai la correspondance d'Yves de Chartres. Bon, d'autres auteurs évoquent les ordalies également à cette époque. Je citerai le moine normand Ordéric Vital au début du XIIe siècle, le moine anglais Edmer dans ses chroniques également du XIIe siècle. Et puis, et j'en parlerai, le maître de l'école Notre-Dame de Paris, Pierre Le Chantre, qui nous a laissé notamment un traité dans lequel il met en cause les ordalies. Il ne leur reconnaît pas la qualité de jugement de Dieu. Évidemment, ça nous intéresse, et je l'évoquerai vers la fin de cet exposé. Pierre Le Chantre ne croit pas à la qualité de jugement de Dieu des ordalies, et cela nous amène à, nous sommes à la fin du XIIe siècle, à la limite chronologique de cet exposé, qui est imposée par, non pas par Pierre Le Chantre, mais par une décision du 4e concile de Latran, en 1215. Ce concile, en effet, interdit formellement aux clercs de participer à une ordalie. Cette interdiction de l'ordalie s'accompagne de l'interdiction du duel judiciaire. Donc, l'interdiction faite aux clercs de participer à une ordalie signe la condamnation des ordalies, et évidemment, pour nous, la question sera de savoir pourquoi, à cette époque, on met fin aux ordalies, et j'essaierai de donner quelques éléments de réponse. Cela dit, dans les chartes, on ne trouve plus de récits d'ordalie après 1130. Mais nous savons que les ordalies continuent d'être connues. Donc là, vous voyez, nous avons un décalage vers 1130-1215, ça fait quand même une longue époque. Et on va essayer de... On est amené à se poser la question de savoir si l'interdiction de 1215, au fond, ne ferait pas autre chose qu'entériner un fait accompli. Au fond, est-ce que les ordalies avaient déjà décliné en 1215, un concile officialiserait un déclin. Alors, cette question a donné lieu à beaucoup de débats chez les historiens. Et je ne vais pas ici créer un faux suspense. Nous savons que les ordalies ont continué d'être pratiquées dans la seconde moitié du XIIe siècle et encore au début du XIIIe siècle, mais pour des causes qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'avant 1130. Ou du moins, pas seulement les mêmes. Alors, après cette entrée en matière... Je vais procéder de la façon suivante. Je vais d'abord faire une présentation de l'ensemble des ordalies angevines et de leur déroulement. Puis, je m'intéresserai au déclin des ordalies en essayant de voir quelles explications on peut apporter. Alors, en m'appuyant sur les ordalies connues par Deschartres, cela me permet d'évoquer un ensemble de circonstances et pas seulement, vous voyez, quelques cas isolés. Alors, ces chartes, je l'ai dit, livrent des récits, je dirais des récits circonstanciés. Ces ordalies mentionnées à l'occasion de plaies, c'est-à-dire des assemblées judiciaires, que les ordalies, d'ailleurs, aient eu lieu ou n'aient pas eu lieu. Donc, ces chartes mentionnent des ordalies à l'occasion de plaies, mais également des conventions. C'est-à-dire des accords écrits mentionnent la possibilité d'ordalie, mais là ce ne sont pas des cas circonstanciés, car ces conventions plus sont plutôt normatives que circonstanciées. Donc le tournant des ordalies, le tournant des années 1130 dont j'ai parlé ne marque pas une fin des ordalies, mais la fin des récits d'ordalie dans les chartes, ce que nous appelons les actes de la pratique. Vous me direz, ça c'est en Anjou, mais est-ce que c'est vrai aussi ailleurs? Eh bien oui, car si je me tourne vers la Toscane, région qui, beaucoup plus que l'Anjou, est à cette époque, au XIIe siècle, pénétrée par le droit savant, notamment par
droit romain, évidemment aussi le droit canonique, mais ça, c'est pas particulier à la Toscane. Eh bien, dans cette région donc, où le droit romain commence à être prégnant, on trouve le même tournant chronologique. L'historien anglais Chris Wickham, qui est auteur d'une importante étude sur les conflits en Toscane au XIIe siècle, eh bien, précise que, certes, les Ordalies ne sont pas encore désuètes, dit-il, mais il ne les voit plus mentionnées pour les causes civiles qui forment tout l'objet de son livre. Hein, les conflits, les litiges en Toscane au XIIe siècle, ce ne sont que les causes civiles, comme en Anjou d'ailleurs. Mais il pense lui aussi qu'elles sont bien plus couramment utilisées, mais pour d'autres cas, et notamment pour les causes criminelles. Pour les Ordalies, qui font l'objet d'un récit circonstancié, il faut faire une distinction entre les cas où l'Ordalie a été effectuée et ceux où elle ne l'a pas été. Or, les raisons pour lesquelles elle n'a pas eu lieu peuvent être différentes. En résumant, on dira que l'une des parties a renoncé à ce qu'elle se déroule. Alors, la partie qui a renoncé peut aussi bien être celle qui devait subir l'ordalie que la partie adverse. Une petite moitié seulement des ordalies proposées a été réellement effectuée. Bon, je n'en ferai pas une statistique généralisable. Je dispose d'un corpus de 34 cas. Mais bon, enfin, c'est quand même un point d'appui. Excusez-moi, je m'interromps, mais dans le cas de l'ordalie, est-ce que la partie qui devait subir l'ordalie avait le droit de renoncer ? Eh bien oui, je vais vous donner des exemples. D'accord. Alors, justement, pour nous, cette pratique est très étrange et en tout cas, évidemment, à première vue, irrationnelle. Et c'est la raison pour laquelle les ordalies ont frappé les esprits cultivés depuis un certain temps, en fait, depuis surtout le XIXe siècle, déjà au XVIIIe bien sûr, Voltaire se moquait des ordalies. Mais au XIXe siècle, les savants se sont intéressés aux ordalies et ils ont contribué à répandre l'idée que les ordalies étaient répandues et même que l'époque féodale était l'époque des ordalies. Donc, en gros, la justice, et comme vous le rappeliez tout à l'heure, cette période qui a été longtemps considérée comme une période d'anarchie féodale, on disait que pendant cette période d'anarchie féodale, eh bien, il ne pouvait pas y avoir de véritable justice. Alors, que faisait-on ? Eh bien, on s'en remettait au jugement de Dieu, parce que quand même, là, le jugement de Dieu, tout le monde y croyait, et c'était un moyen de mettre un terme à une affaire, de résoudre en fait un cas. On l'a pensé pendant longtemps et on s'est aperçu finalement que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai car lorsqu'on en observe l'ensemble de la documentation, eh bien on voit que les ordalies n'ont pas été le moyen le plus courant de régler les litiges en justice. Environ 12% des plaies mentionnent une ordalie. Je dis bien mentionnent. Si on tient compte du fait que la moitié d'entre elles, dans la moitié des cas seulement, l'ordalie est effectuée, vous voyez qu'on arrive à un tout petit pourcentage. Donc les ordalies ont été un moyen de résoudre des conflits, mais ça n'a été qu'un moyen très minoritaire. Donc une pratique marginale. Alors je poursuis mon tableau. Dans quelle juridiction des ordalies ont-elles été demandées ? Eh bien, une ordalie peut être demandée aussi bien dans une juridiction ecclésiastique, donc ce sera souvent à la cour de l'évêque ou à celle d'un abbé, puisque les abbés sont des seigneurs, ils rendent la justice sur les terres possédées par l'abbaye, mais ça peut être aussi, bien sûr, à la cour du comte ou à la cour d'un seigneur de château. Autrement dit, la juridiction, la nature de la juridiction n'est pas un facteur discriminant. Voyons à présent quels sont les enjeux. Les ordalies en Anjou sont proposées pour des types de cas très ordinaires. Les causes sont même assez décevantes, elles sont extrêmement banales.
la majorité des causes sont des litiges sur des biens fonciers. Donc des terres, des maisons, des vignes, des moulins. Ensuite, elles sont proposées pour des litiges sur des redevances pour les mêmes, également sur des terres, des moulins, etc. Et puis également pour la possession de quolibets. Quolibets, c'est le mot français pour colibertus, pour coliberti. Le vieux français traduira en cuvert. Bon, cuvert, évidemment, vous comprenez que c'est très péjoratif. Donc ces colibères ou ces cuvères sont en fait des personnes qui n'ont pas de, sont privées de la liberté juridique, donc qui sont assez proches, on dit, pour aller vite, des serfs. Cette répartition, vous voyez, des causes ordalies, eh bien, elle épouse parfaitement la répartition des causes de litige sur l'ensemble de la documentation. Donc, vous voyez, les ordalies ne se différencient pas non plus de ce point de vue. Un cas porte sur le statut de la personne. Une femme serve, donc pas libre, revendique la liberté de son fils parce que, dit-elle, il est né avant qu'elle-même et son mari deviennent serfs de l'abbaye de Marmoutier, grande abbaye tourangelle de Marmoutier. Ça veut dire qu'elle et son mari se sont donnés à l'abbaye, mais avant qu'ils se donnent, ils étaient libres et ils ont eu un fils. Cette femme, qui a pour nom Plectrude, réclame l'ordalie. Elle entend prouver donc que son fils n'est pas serf de l'abbaye de Marmoutier, contrairement à ce que les moines affirment. Et finalement, au dernier moment, elle avoue son tort. Ça répond à votre question, ça commence à répondre. Elle avoue son tort, et là je cite, « alors que le fer du jugement était déjà chaud ». Voilà. Donc, elle recule devant l'épreuve, et elle abandonne. Dans un autre cas, c'est un écuyer qui veut se purger d'une accusation, on dit le document, colportée par la rumeur publique, selon laquelle il aurait empoisonné son seigneur. C'est un des très rares cas de nature criminelle que l'on peut glaner dans la documentation. Alors je ne vous en dirai pas plus sur ce cas, car là je vous ai livré toute l'information contenue dans la notice qui évoque ce cas. C'est une notice dans laquelle cet écuyer fait des dons, des aumônes donc, il fait des dons à l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers. C'est donc dans la narration que le rédacteur nous livre cette information. Alors vous voyez, par rapport aux causes, aux enjeux d'ordalie que j'ai évoqués tout à l'heure, en particulier à travers le livre de Bartlett, les causes ici sont tout à fait différentes. Ce qui nous amène à une indication qui je crois est fort importante, c'est que la nature des enjeux est très liée et très dépendante de la documentation dont on dispose. Robert Bartlett n'a pas étudié les actes de la pratique de cette époque. Il s'est fondé sur des documents, sur les documents disponibles au Moyen-Âge que j'ai évoqués tout à l'heure, et j'évoquerai vers la fin de cet exposé les causes traité par l'évêque de Chartres dans sa correspondance, donc une correspondance d'un grand ecclésiastique qui est consulté parce qu'il est savant, eh bien nous verrons que les causes sont encore complètement différentes puisque lui il parlera de cas de trahison et de cas d'adultère. Alors je vais maintenant, si vous le voulez bien, entrer un peu plus dans le vif des choses en évoquant le déroulement des ordalies. Alors évoquer le déroulement des ordalies suppose de prendre plusieurs types de documents, enfin du moins des documents différents, car les informations sont toujours fragmentaires. Un document ne livre jamais tout ce qu'on aimerait savoir. Certains quand même sont plus précis que d'autres. Nous pouvons d'ailleurs croiser les documents de la pratique avec la documentation normative. Il faut même commencer par la documentation normative qui explique comment doit se dérouler une ordalie. Alors, cette documentation normative, ce sont des textes liturgiques qui ont été rédigés à partir du IXe siècle
et qui décrivent l'ordre qu'il faut suivre dans une cérémonie rituelle. Donc il s'agit de rituels religieux. Vous le voyez, l'ordalie est une épreuve judiciaire et en même temps, elle est une cérémonie religieuse chrétienne. La participation des prêtres est donc indispensable. Alors selon ces textes, le patient est soustrait aux siens durant 3 jours. Il est rasé, revêtu de vêtements de pénitent, aspergé d'eau bénite, il entend la messe, puis le jour venu, il prononce un serment. Donc vous le voyez, il a été soustrait aux siens. Cela veut dire qu'en tant que patient, il devient celui par qui Dieu manifeste son jugement. Voyons maintenant comment les choses se passent d'après les documents de la pratique. Nous disposons de quelques descriptions des préparatifs. La plus précise est dans une notice de l'abbaye du Ronceret d'Angers, qui est un monastère féminin. Nous y lisons que le patient est amené dans l'église des religieuses. Ce patient représente des laïcs qui contestent aux religieuses la possession d'une vigne. Ça, c'est très banal, c'est pas très excitant. Il y a un litige sur la possession d'une vigne. Donc on fait une ordalie pour ça. Alors l'eau de l'ordalie, nous dit le document, est déjà en train de chauffer. La messe est célébrée, puis le patient reçoit la communion, je cite, « au corps et au sang du Christ ». Et il prononce un serment sur les reliques des saints, et l'auteur de la notice précise, « selon la coutume ». Alors une autre charte pour une autre affaire mentionne la bénédiction de l'eau du chaudron, puis, alors toujours « selon la coutume », évoque le serment prononcé par le patient. Si on en croit un autre document décrivant une ordalie qui se déroule dans la cathédrale d'Angers, l'ordalie du chaudron correspondrait à la coutume de cette région. Des cours tenus ailleurs, en Anjou, pratiquent, comme à Angers, l'ordalie de l'eau chauffée. Mais ce n'est pas toujours le cas. À la cour du Seigneur de Chemillé, nous sommes dans le sud, à la limite sud de l'Anjou. Lorsque l'ordalie est décidée, eh bien c'est le fer qui est chauffé et qui doit être tenu en main par le patient. Et l'une des notices, premier tiers du XIIe siècle, eh bien précise que le patient, je cite, doit toucher le fer brûlant ainsi que l'exige la coutume de notre région. Donc vous le voyez, le moyen de l'ordalie peut varier selon la coutume locale. Cela peut être le chaudron, cela peut être la barre de fer chauffée. Des descriptions tirées d'autres documents précisent que le patient doit plonger la main et l'avant-bras dans l'eau afin de retirer un anneau placé au fond. Quant à celui qui prend la barre de fer, il doit faire 3 pas en la tenant. Et puis il existe un autre cas, tout à fait singulier, en Anjou. Un document de la fin du XIe siècle évoque une ordalie dans ces termes. Je cite, « On jugea qu'il devait prouver ce qu'il disait par le jugement contre le mort. Mais il n'osa pas le faire. » Fin de citation. Évidemment, je me suis posé la question quand j'ai lu ce texte, en quoi peut bien consister cette ordalie contre le mort? Je n'ai pas d'autres cas, et en même temps, justement, l'auteur du récit n'en dit pas plus, comme si c'était pour lui évident, comme si pour les gens de cette époque et de cette région, cela allait de soi, comme s'il n'y avait pas besoin, vous voyez, d'expliquer davantage. Alors, je suis allé chercher un exemple ailleurs, et j'en ai trouvé un seul autre, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. En Italie, il y a en effet un cas d'ordalie contre le mort, et là c'est un petit peu plus précis. Le patient serait allongé avec un cadavre auquel il demeurerait attaché durant 3 jours. Bon. Revenons aux cas les plus courants.
Le patient plonge la main dans le chaudron où porte le fer rouge. Il faut ensuite voir le résultat. Nous avons vu tout à l'heure que dans l'ordalie de l'eau froide, le résultat est immédiat. Trois jours. Et là, il faut, comment va-t-on juger du résultat? Eh bien, après avoir plongé la main dans l'eau bouillante ou tenu la barre de fer chauffée, la main est entourée d'un bandage, qui est scellé, et la main ne sera, et ce bandage ne sera défait et la main découverte qu'au bout de trois jours. Le résultat dans les documents est souvent mentionné avec précision. Les juges découvrent la main et la montrent au public. Et les récits témoignent que montrer au public la main du patient, brûlée ou au contraire intacte, eh bien, c'était primordial pour la partie victorieuse qui avait besoin d'une affirmation publique du résultat. Et le respect de la coutume est vraisemblablement la raison pour laquelle les religieuses de l'abbaye du Ronceret d'Angers tiennent à ce qu'un patient ne présente sa main qu'au terme des trois jours réglementaires. Je vais revenir sur le cas que j'ai évoqué tout à l'heure. L'affaire, vous vous en souvenez, est une vigne, des héritiers réclament une vigne. Ces gens qui se plaignent ne sont pas de rang noble. Il leur revient donc de soumettre à l'ordalie leur représentant. Je reprends le récit où je l'avais laissé, la messe a été célébrée et le patient qui a reçu la communion prononce le serment sur les reliques des saints. Mais dès lors, je cite le document, il fut privé de la vue. Il le dit lui-même ensuite à toutes les personnes présentes. C'était au point qu'il put à peine atteindre la bassine dans laquelle il lui fallait mettre la main. Quand il l'eut plongée, il la retira tellement brûlée qu'il se sentait atteint de son propre aveu, au plus, non seulement à cette main, mais jusqu'au fond de son cœur. Et ses maîtres furent obligés par la force de ce signe de reconnaître leur tort. Fin de citation. Donc vous voyez ici que la brûlure est ressentie au fond du cœur, c'est-à-dire, évidemment, au fond de la conscience. Il y a donc eu aveu, la partie qui est obligée de reconnaître le résultat de l'ordalie avoue son tort. Pourtant, les religieuses insistent pour que le rituel aille jusqu'à son terme. Eh oui, pourquoi insistent-elles? Probablement et très certainement parce que pour elles, arrêter une procédure rituelle pourrait provoquer par la suite la contestation du résultat plus tard. Est-ce qu'il n'y aurait pas un vice de forme, tout simplement? Vous voyez, on ne sait jamais, hein? Et donc je continue à citer le document. Et quand on lui demanda, donc au patient, quand on lui demanda de se laisser sceller la main, selon la coutume, il protesta à cause de la douleur. Il ne supporterait pas que rien lui touche la main. Il la conserva donc à nu jusqu'au troisième jour et dut alors, à contre-cœur, la présenter tout enflée, écorchée, suintante et putride. Il y a quand même eu, vous voyez, une dérogation par rapport à la coutume, la main n'a pas été bandée, mais il a quand même fallu attendre trois jours. Bon, vous le voyez aussi, l'ordalie peut être terrible. D'une certaine manière, elle comporte déjà le châtiment, ou du moins une partie du châtiment, et c'est le châtiment de celui qui s'est parjuré, puisqu'il a prononcé un serment. Mais la coutume n'en reste pas là. Ceux qui s'engagent à l'épreuve ordalique et en sont déclarés confondus parce que le jugement a révélé leur fausseté, eh bien ceux-là doivent payer une amende. Ça peut vous expliquer pourquoi on peut abandonner la crainte d'être brûlé, bien sûr, mais c'est pas tout, il faut payer une amende. C'est ce qui arrive par exemple à une femme qui ayant porté injustement le fer à chemiller, a dû rendre au moine de Marmoutier, alors le moulin qu'elle détenait injustement, qui était la cause du litige donc,
et une amante. Comment on peut se soumettre de son plein gré à ses ordalies, même pour avoir gain de cause, alors qu'on connaît quand même les limites de notre propre corps, puisqu'on parle de ça en fait. Oui. Comment peut-on se soumettre volontairement à ce genre de choses, puisque c'est notoriété publique, les gens savent à quoi ils vont s'engager, et aussi soumettre. Et s'y soumettre. Pourquoi ? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il y aura à la fin de la conférence, il y aura une partie questions. À ce moment-là, gardez bien vos questions. Je vais vous répondre avant la fin, pour suite de l'exposé. Alors, quelques mots sur le vocabulaire et sur les expressions qui sont employées. Les contemporains, donc, vous voyez, parlent du jugement. Dans plusieurs cas, il parle du jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu désigne bien l'ordalie. Il désigne l'ordalie et non pas le duel judiciaire. Le duel judiciaire, à cette époque, n'est jamais nommé jugement de Dieu. Donc, vous voyez, c'est une différence importante avec les duels judiciaires. Une des expressions parmi les plus courantes, c'est « le patient porte le jugement ». Donc, elle signifie qu'il prend sur lui le jugement au sens propre, et pas seulement au sens figuré. L'homme qui porte le jugement est donc celui par qui Dieu va manifester son jugement, lui infliger une douleur atroce, donc nous l'avons vu, s'il s'est parjuré, mais aussi peut l'innocenter. Alors, qui sont les patients ? Eh bien, nous avons affaire à plusieurs sortes de situations. Le patient peut être l'une des parties elle-même, c'est-à-dire le plaignant ou le défendeur, qui défend sa propre cause. C'est souvent le cas si ce n'est pas un homme. Si c'est une partie noble, laïque, cette partie a son propre représentant. Et si c'est une partie ecclésiastique, car les moines peuvent se défendre par l'ordalie, bien dans ce cas-là, ce sera un représentant des moines. Donc, les monastères ont leur propre représentant. Et puis, il y a ces personnes que l'on appelle témoins, et là, je vais développer un exemple. Il faut en effet aller au-delà de la simple description pour finalement comprendre comment ça marche. Alors, je vais évoquer un peu plus précisément une affaire qui provient d'un document qui est daté du 2 août 1066. Ce document est une charte originale de l'abbaye Saint-Florent de Saumur, un texte que les spécialistes appellent une notice. Il faut d'abord situer l'affaire dans son contexte politique et religieux. Nous sommes en 1066, le comte d'Anjou s'appelle Geoffroy le Barbu. Il gouverne le comté d'Anjou et également la Touraine depuis la mort de son oncle, le comte Geoffroy Martel, donc depuis 1060, depuis la mort, je l'ai dit, de son oncle. Les relations entre le comte d'Anjou, Geoffroy le Barbu, et l'abbaye de Saint-Florent ne sont pas très bonnes. L'abbaye de Saint-Florent se situe en effet dans une zone qui est contrôlée depuis relativement peu de temps par les comtes d'Anjou, donc il n'y a pas de relations anciennes. Geoffroy le Barbu est à cette époque en bisbille avec l'Église. En 1064, il est en conflit avec l'abbaye tourangelle de Marmoutier. Il a également refusé de consacrer l'évêque du Mans, Arnaud, et le refus de la consécration de cet évêque entraîne son excommunication, qui est fulminée par l'archevêque de Tours dans le courant de l'année 1066. Donc vous le voyez, les relations avec l'Église sont très mauvaises, entre le comte d'Anjou et l'Église sont mauvaises, et je donne ces éléments parce qu'ils sont importants pour comprendre la suite. Je résume le début de notre document parce qu'il est quand même assez long. Le rédacteur du document est un moine, c'est un moine de l'abbaye Saint-Florent. C'est important parce que vous le voyez, ces récits ne sont pas des procès-verbaux, par exemple écrits par un greffier. Ce sont des documents narratifs écrits souvent par la partie victorieuse qui conserve ces documents comme mémoire de sa victoire avec toutes les informations
voyez, sur l'affaire, ce qui pour nous est fort intéressant. Le rédacteur de cette notice reproche à l'ancien comte, Geoffroy Martel, d'avoir refusé de laisser défricher une forêt. Il avait refusé de laisser défricher la forêt, les moines le souhaitaient, le comte avait refusé pour pouvoir y chasser. Et il voulait taxer les paysans de l'abbaye. Le nouveau comte a renoncé à ses coutumes, c'est-à-dire aux taxes. C'est bien, mais il se ravise. Bon. Et il se ravise, nous dit l'auteur de la notice, sous l'influence de mauvais conseillers. Alors là, bon, on a un lieu commun qui nous dit qu'au fond, le prince ne peut pas être un mauvais bougre. S'il se ravise, c'est pas parce que c'est un mauvais type, c'est parce qu'il a de mauvais conseillers. Il est influencé par ses mauvais conseillers. Alors, évidemment, c'est une indication qui ne vient pas au hasard, et ce n'est pas seulement parce que c'est un lieu commun. Ces mauvais conseillers, ce sont les agents du comte auxquels les moines dans cette affaire vont s'opposer. L'enjeu porte donc sur la légitimité des taxes. Alors, vous le savez, à cette époque, les taxes sont légitimes si elles sont anciennes, si la coutume peut attester leur ancienneté. Et si elles sont récentes, eh bien, elles sont illégitimes. Alors, les moines se plaignent au comte. Le débat porte donc sur l'ancienneté des coutumes. Et le comte se justifie en affirmant qu'elles existaient au temps de son père. Et les moines, au contraire, affirment qu'ils avaient ces droits bien avant que le comte les ait eus. Donc, vous voyez, c'est qui a été le premier. Les moines disent donc, nous, ça fait très longtemps que nous disposons que nos paysans sont exemptés de ces taxes. Et ils disposent, disent-ils, de témoins. Je cite le document. Ce conflit entre lui et nous, donc lui c'est le comte, dura plus d'un an. Il ne voulut pas nous croire jusqu'à ce que, selon sa propre décision, l'un de nos serviteurs, nommé Alcher, porte, selon les règles, le jugement de Dieu par l'eau chaude à Angers, en la basilique Saint-Maurice. Il reçut le mandat d'un vieil homme dépendant de nous, Gosselin Croivin. Son grand âge le privait déjà presque complètement de ses forces et de la vue. Mais il savait très bien la vérité de l'affaire, car il était fils du garde du bois en cause. Après les 3 jours nécessaires pour mettre à l'épreuve son salut, Alcher, par la grâce de Dieu, apparut comme le témoin de vérité à tous ceux qui étaient là. Cela éteignit toute controverse. Les agents de la partie adverse étaient stupéfaits qu'il fût indemne. En effet, dans leur violence inique, ils avaient chauffé l'eau du jugement plus fort que la coutume de l'établi, jusqu'à ébullition. Et ce, en dépit des protestations des nôtres, devant cette injustice. Comme si la justice et la puissance de Dieu pouvaient diminuer à mesure que l'eau était plus chaude, comme s'il ne pouvait pas épargner le juste dans l'eau bouillante et brûler le coupable dans l'eau froide. Dès qu'il le sut, le comte, affligé par les tourments qu'il nous avait causés, se repentit à multiples reprises de sa brutalité à notre égard. Il abandonna sa prétention et ordonna de rendre les moissons confisquées. Le litige a donc duré presque un an, et c'est le comte qui finalement met les moines au défi de prouver leur affirmation. On rappelle le début, il ne voulut pas nous croire jusqu'à ce que, selon sa propre décision, l'un de nos serviteurs, etc. Donc les moines disposent d'un témoin. C'est un vieil homme, c'est un homme infirme, fils du garde forestier. Mais, et vous l'avez remarqué, ce n'est pas lui qui subit l'ordalie personnellement. Il a donné mandat à un dépendant de l'abbaye. Et donc, vous le voyez, les témoignages se transmettent.
Donc, le témoignage ne va pas disparaître à la mort d'un homme. Il peut être transmis. Et donc, il peut être transmis, précisément, pour les causes de litige. Donc, c'est un relais. Alors, l'ordalie. Eh bien, l'ordalie, c'est celle du chaudron, donc l'eau brûlante. Et là, nous avons ce détail tout à fait intéressant. L'eau a été chauffée jusqu'à ébullition, beaucoup plus fort que ne le veut la coutume. Donc, nous en déduisons que, ordinairement, ce n'est pas une ordalie de l'eau bouillante, mais de l'eau chaude. Alors, le document ne fournit pas de précision sur la préparation. Vous l'avez remarqué, il est très elliptique là-dessus. Le rédacteur ne mentionne que les trois jours légaux et il nous dit que le témoin apparut à tous comme témoin véridique. Évidemment, c'est une interprétation, puisqu'il s'agissait de savoir si la main était guérie, ou en voie de guérison, ou au contraire tellement brûlée que la guérison n'était pas sûre ni immédiate. Notre texte, c'est important, insiste sur la foule. Et on comprend que sa présence était importante, puisque c'est elle qui témoignait que le patient était sauf. C'est elle qui témoignait. Mais vous comprenez bien qu'on le lui a dit. Parmi les représentants du comte, eh bien, il y a justement des agents du comte. Il y a un prévôt, il y a un viguier et quelques agents. Or, ces agents seigneuriaux sont mal vus du petit peuple. Ce sont ces agents qui infligent les amendes. Ce sont ces agents qui infligent la fustigation, les coups de fouet. Donc, je crois, hélas, évidemment il faut interpréter un peu, je crois qu'il est possible, il est facile d'imaginer la joie de la foule lorsque les juges, lui présentant la main, lui affirment que la main est intacte. Vous voyez, il n'est pas difficile d'imaginer les acclamations de la foule. La foule ne va pas aller voir, ne va pas aller regarder de près la main du patient et mettre en cause la décision des juges. Mais vous me direz, c'est peut-être un peu facile ce que je dis là. Est-ce qu'il suffisait d'annoncer que la main d'Alcher était intacte, d'annoncer qu'il était indemne pour gagner la partie? Car vous l'avez bien compris, la partie a été serrée. Le comte et ses représentants pensaient bien gagner. C'est ce que dit le texte. Et il y a eu chicane sur la préparation du chaudron. C'est le comte qui a voulu l'ordalie, c'est lui qui défie. Il défie les moines. Et ces hommes se sont arrangés pour chauffer le chaudron au maximum. Donc, pourrions déduire que tout dépendrait au fond de la température de l'eau du chaudron. Les juges, bon, selon qu'ils pensent que, après tout, celui qui va subir l'ordalie est innocent, ne la chauffe pas trop, et s'ils pensent qu'il est coupable, ils montent la température. Peut-être, et même, nous doutons qu'il doit bien y avoir de ça. Donc, ils influenceraient le résultat. Mais le document lui dit encore autre chose, et je crois que c'est peut-être le plus intéressant dans ce texte. Il nous dit que la foule est rentrée chez elle le soir de l'épreuve grandement affligée. Et que le jour de la proclamation du résultat, ce fut la divine surprise. Les représentants du comte qui étaient persuadés de gagner furent stupéfaits. Là, je crois que nous avons rassemblé assez d'indices pour comprendre ce qui s'est passé. Le document ne dit pas tout, mais presque. Le clergé était uni et solidaire. Les chanoines de Saint-Maurice, l'église cathédrale, chez qui la cause est jugée, soutiennent activement les moines de Saint-Florent. Je cite un passage. Le clergé de Saint-Maurice, qui a célébré la messe pendant le déroulement de l'épreuve, était prosterné à terre
et prier Dieu pour nous. Ce n'est pas toujours le cas, en réalité. Les rivalités entre églises sont parfois âpres, mais pas ici. La solidarité de l'Église, je crois, a été un atout pour la victoire de Saint Florent sur le Comte. Ce clergé uni a donc rassemblé la foule. Il l'a rassemblée pour favoriser un retournement de situation dans une affaire qui était, le premier jour, mal engagée. Et pourquoi ce récit? Et pourquoi est-il si bien circonstancié? Eh bien, le document est là pour étayer le témoignage de la vérité. On parle du témoin de la vérité. Témoignage de la vérité tel qu'il résulte de l'ordre. Et ce récit a pour fonction d'éviter le risque d'une contestation future. Car si le résultat de l'ordalie, ou le résultat du jugement était par la suite contesté, les moines alors liraient la notice à haute voix. Car c'est ce que l'on voit dans les plaies, dans les audiences, dans les assemblées judiciaires, les preuves écrites sont d'abord amenées, on montre la charte, et elle est lue à haute voix. C'est un élément de preuve. Donc il fallait ce récit. Récit dans lequel il se termine par une liste de toutes les personnes présentes, dont les agents du comte, pour pouvoir dire plus tard que les agents du comte ont reconnu le récit de leur délit. Donc vous le voyez, en faisant appel au jugement divin, les ordalies, au fond, sont un jugement que nous qualifions d'irrationnel. On s'en est remis à un seul témoin, et ce témoin a porté le jugement de Dieu. Mais vous voyez qu'en même temps, il y a un usage du jugement de Dieu. Et un usage qui fait qu'il n'est pas si irrationnel que cela. Car si nous lisons ce défi, en termes de rapport de pouvoir, nous voyons une forme de rationalité. Ou, si l'on préfère, on dira que les gens de l'époque savaient utiliser le surnaturel. Et pourtant, les ordalies reculent. Alors je vous propose bien maintenant de voir à partir de quand et dans quelles conditions. Donc je l'ai dit, nos documents ne mentionnent plus d'affaires d'ordalie après 1130, ce qui ne signifie pas que les contemporains n'en mettaient plus en œuvre. Simplement, quand il y en avait, eh bien ce n'était plus du tout pour les affaires que nous connaissons. Mais nous n'avons pas, malheureusement, la moindre idée de leur fréquence. Nous savons seulement qu'elle n'était pas tombée en désuétude. Donc une discontinuité se situe dans les années 1120-1130. Comment l'expliquer? Alors nous savons depuis longtemps que le décret du concile de Latran IV de 1215, qui interdit aux prêtres de participer aux ordalies, eh bien nous savons que ce concile a été préparé entre guillemets, par une longue phase de position théologique. Et dans la seconde moitié du XIIe siècle, il y a un pourfendeur fameux des ordalies, c'est le maître de l'école Notre-Dame de Paris, Pierre Le Chantre, mort en 1197. Pierre Le Chantre dénonce les manipulations dont elles sont l'objet. Il dénonce également leur caractère expéditif. Et enfin, il parle de leur inefficacité. Je dis enfin, ce n'est pas tout, mais je n'expose pas tous les arguments de Pierre Le Chantre, ce serait un peu long. Mais je retiens, je vous demande de retenir l'expression de caractère expéditif. Car quand on lit les récits d'ordalie avant 1130, les ordalies ne sont jamais expéditives. Donc là, nous avons une indication que les ordalies auxquelles pense Pierre Le Chantre, celles dont il est témoin, dont il a entendu parler à son époque, ne sont peut-être pas les mêmes que celles du XIe siècle. Et de fait, les exemples qu'il donne portent sur de véritables erreurs judiciaires, des erreurs judiciaires qu'il dénonçait. Les accusés de vol ou de meurtre avaient subi une ordalie qui avait confirmé leur culpabilité. Mais des circonstances fortuites
avaient plus tard révélé leur innocence. Par exemple, deux Anglais avaient accompli le pèlerinage à Jérusalem. Au retour, l'un d'eux choisit de faire un détour par Saint-Jacques de Compostelle. Ah oui. 2400 km. Bon, l'autre ne fait pas le détour, donc il revient, il revient seul, et il est accusé d'avoir tué son compagnon. Il nie, évidemment. Et il doit subir le jugement de l'eau froide. Et le jugement, à la suite du jugement, il est convaincu d'être coupable. Il est confondu. Il est pendu aussitôt. Malheureusement, quelques temps après, et à la surprise de tout le monde, eh bien, le premier pèlerin était de retour chez lui. Voilà un des exemples que donne Pierre Le Chantre d'erreurs judiciaires manifestes. Et puis d'autre part, Pierre Le Chantre parle explicitement des manipulations possibles des ordaines. Donc cela nous confirme que dans la seconde moitié du XIIe siècle, on pratique toujours des ordaines. Mais vous le voyez, Pierre Le Chantre ne parle pas de cas civils. Et d'autre part, c'est l'époque où se développent les hérésies. Et un concile, le concile de Reims en 1157, eh bien, décidait de soumettre à l'ordalie du feu ceux qui étaient suspectés d'hérésie. Pierre Le Chantre condamne également cette pratique. Donc vous voyez, des vols, des meurtres, des cas d'hérésie. Je reviens donc maintenant sur la période antérieure, dans la première moitié du XIIe siècle, parce que, évidemment, là, il se passe quelque chose. Pourquoi ne voyons-nous plus de propositions d'ordalie dans nos documents passés les années 1130? Eh bien là, il faut se tourner vers l'Église. La condamnation antérieure la plus explicite est celle d'un pape, c'est Alexandre II, nous sommes en 1063. Dans une lettre qu'il adresse à l'évêque de Côme, Alexandre II qualifie les épreuves de l'eau bouillante, de l'eau froide et du fer rouge d'inventions populaires. Elles ne sont pas, ajoute-t-il, étayées par une sanction canonique. Et en fait, il reprend des arguments d'un pape antérieur, Étienne V, qui avait exposé ses arguments contre les ordalies dans les années 1886-1889. Et pourtant, eh bien, les églises locales mettent en action des ordalies. Donc là, vous voyez, il y a, et on peut parler d'un fossé béant entre ce qui pouvait se passer dans ces églises locales et les autorités romaines. Alors d'un autre côté, les ordalies n'ont pas été la préoccupation première des papes. Ils se contentaient de donner des conseils, quelques injonctions à tel ou tel évêque, mais on a un peu l'impression que pour eux, les esprits n'étaient pas encore prêts à mettre ces directives en application. Et puis, bon, quand même, les ordalies avaient leur utilité dans certaines affaires, celles que j'ai citées bien sûr, mais également dans les affaires dont je n'ai pas encore donné d'exemple, et c'est là que je me tourne vers Yves de Chartres, qui est notre autre très bon informateur. Or, Yves de Chartres est un parfait connaisseur du droit canonique. Vous voyez, pensez au pape qui dit il n'y a pas de sanction canonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte de la loi de l'Église qui préconise les ordalies. Yves de Chartres connaît bien le droit de l'Église, et il est consulté par les contemporains, justement, sur des cas d'ordalie. Alors, il est conseillé sur des cas d'ordalie et relativement à deux types de causes, des causes d'union matrimoniale et ou de fiançailles et des causes de trahison. Il évoque également les duels judiciaires. Il est hostile aux duels judiciaires. Mais il est surtout défavorable aux ordalies. Enfin, il n'est pas surtout, pardon, défavorable aux ordalies. Il est aussi défavorable aux ordalies, mais d'une manière qui pourra nous paraître à géométrie variable. Alors, essayons d'abord de voir quelles
pour quelles raisons Yves de Chartres s'est opposé à la réalisation du Nordel. Une lettre est adressée à l'évêque du Mans, Hildebert de Lavardin, et dans cette lettre, Yves explique pourquoi l'évêque du Mans ne doit pas se soumettre à l'ordalie du Ferchou. Hildebert souhaitait en effet se disculper d'une accusation de trahison. Accusation de trahison formulée pas par n'importe qui, formulée à son encontre par le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, qui dominait le diocèse du Mans à cette époque, du moins la région. Yves fait valoir à son correspondant que l'épreuve du fer chauffé n'est en rien, dit-il, une coutume ecclésiastique. Par conséquent, elle n'est pas conforme à son ordre, l'ordre épiscopal. Et elle n'est pas davantage, dit-il, établie par une autorité canonique. Donc vous voyez, il prend appui sur les autorités, et notamment il cite, eh bien, il cite Alexandre II et le pape Étienne V. Mais il utilise aussi d'autres arguments. Autre affaire, un chevalier soupçonne qu'il n'est pas le père de l'enfant mis au monde par sa femme. Il pense que ce serait un autre chevalier. Il a fait ses comptes. Il manque 7 jours de grossesse. D'où sa déduction que la fécondation a eu lieu à une période où il était en Angleterre. Et ses soupçons... Ouais, vous rigolez, mais c'est pas drôle du tout. Et ses soupçons sont confirmés par l'ordalie du fer chauffé à laquelle a dû se soumettre l'accusé pour se disculper. Donc l'accusé vient est jugé coupable. Donc le mari qui dit avoir été trompé demande conseil à Yves de Chartres. Que doit-il faire? Et Yves de Chartres eh bien, répond que la brûlure du chevalier accusé n'offre pas un argument certain. Je le cite. En effet, on a vu par un jugement occulte de Dieu, dans l'examen du fer ardent, beaucoup de coupables libérés et d'innocents condamnés. On croit déjà entendre Pierre Lechamp. Fin de citation. Donc, voyez, l'ordalie ne révèle pas toujours la vérité claire que certains auteurs contemporains d'Yves de Chartres, que certains rédacteurs de notices disent parfois, écrivent parfois dans leur texte. Autre cas, une épouse est mise en cause pour avoir eu des relations charnelles avec un parent avant son mariage. Je cite, « L'accusateur produit des témoins qui n'ont pas vu le fait. » C'est Yves qui parle. Yves continue, « Aussi crédibles soient-ils, ils ne peuvent cependant pas être entendus. » Les témoins ne peuvent pas être entendus. « Car les lois disent qu'on ne doit pas admettre de témoins contre un accusé dont la présence lors des faits ne serait pas connue. » Là, il est très contemporain. Ces témoins n'ont pas vu. Donc, fin de citation. Aussi, là je résume sa position, si la dame veut se laver de l'accusation infamante, l'évêque de Soissons, qui est le correspondant d'Yves, eh bien, l'évêque de Soissons pourra recevoir son serment, le serment de la dame, avec 4 ou 6 autres personnes. Et cela permettra, ajoute-t-il, d'apaiser la conscience de son correspondant, et de faire taire la rumeur. Donc vous le voyez, Yves de Chartres ne propose pas de recourir à l'ordalie, mais à un serment purgatoire où les co-jureurs attesteront l'honorabilité de la dame. Alors nous le voyons encore dans une autre lettre, que faire vis-à-vis des femmes soupçonnées d'adultère par la rumeur publique? Eh bien Yves commence par expliquer que ces femmes doivent être dénoncées. Mais que parfois les témoins pour l'accusation peuvent manquer. Soit qu'ils se taisent par amour, soit qu'ils le fassent par crainte. Ce préalable étant posé, l'évêque de Chartres en vient à la solution qui, dans son esprit et dans son propos, est la bonne pour résoudre l'affaire. Que la femme fasse taire la rumeur par le témoignage de personnes proches. Donc, comme dans l'affaire précédente. Mais si elle ne parvient pas à trouver ses témoins, eh bien elle doit prouver son innocence par l'ordalie du fer ardent. Voilà que Yves de Chartres
préconise quand même, dans certains cas, l'ordaine. Ce qui m'amène aux autres lettres dans lesquelles il la propose. Et ceci en dépit des autorités. Donc avec le cas précédent, il existe deux autres lettres. Il y a le cas où un mari a déserté le lit conjugal parce qu'il soupçonne sa femme d'être adultère. Et le père de l'épouse a proposé que sa fille se purge du soupçon infamant par l'ordalie, mais là, il a rencontré l'hostilité du tribunal, ecclésiastique. Alors ce tribunal a repoussé la possibilité de l'ordalie faute d'une accusation en bonne et due forme. Donc là, problème de procédure. Alors Yves argumente sur la procédure en disant que au cas où il n'existe aucun témoin, alors, ce que la loi divine n'établit pas, l'incrédulité humaine l'exige. Donc, préconise l'ordalie. Enfin, troisième lettre adressée à l'évêque du Mans. Un homme est accusé d'avoir eu une relation avec la mère de sa femme avant le mariage. Il répond que ce cas exige normalement la dissolution du mariage. Mais l'homme s'est soumis à l'ordalie du fer et il est apparu indemne. Je cite, « S'il en est ainsi, s'il a dit dans le serment de sa purgation qu'il n'a jamais fait une seule chair avec la mère de son épouse, je reconnais que contre le témoignage divin, aucun jugement supplémentaire ne doit être cherché. » Donc Yves accepte le résultat de l'ordalie, et vous vous souvenez du premier exemple, où il argumentait contre un résultat défavorable. Je crois que le point commun entre ces deux situations, vous voyez, c'est en fait le mariage et non pas l'ordalie. Le mariage existant doit être maintenu. Nous sommes en effet à l'époque où l'Église est en passe de faire accepter les règles du mariage chrétien à la société. Donc si Yves semble avoir une position à géométrie variable sur les ordalies, en revanche, il a une ligne de conduite vis-à-vis du mariage dont il ne dévie pas. À tout prendre, mieux valait une ordalie pour ramener la paix sociale, ce qu'il appelle vaincre l'incrédulité humaine, et donc la paix sociale, eh bien, elle exigeait de faire taire la rumeur malveillante. Donc, vous voyez, sa tolérance envers les ordalies, au fond, elle relève moins du souhait d'en faire des tests de vérité que d'une volonté de défendre l'ordre social tel qu'il est conçu par l'Église. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un bilan parce que je vois que j'ai été très long. Donc, j'ai évoqué un déclin des ordalies avant son interdiction, ou un possible déclin des ordalies avant son interdiction en 1204. Le cas des ordalies angevines, évidemment, offre l'exemple d'une documentation bien fournie. Celles qui sont effectuées pour des causes civiles ne sont plus documentées après les années 1120-1140, alors que par ailleurs, elles le demeurent pour confondre les hérétiques et pour des causes criminelles. Tout indique qu'elles restaient familières aux contemporains. Ce premier recul, dont je vous rappelle que l'on connaît l'équivalent en Toscane, je dirais, là il faut avancer une explication, qu'il doit en Anjou être mis au compte de l'influence hostile des papes. Influence hostile des papes, qui pourtant, me direz-vous, ne date pas du XIIe siècle. Mais il y a un changement. Ce changement, ce sont les rapports entre les églises locales et la papauté romaine. Jusqu'au XIe siècle, jusqu'à la fin du XIe siècle, les églises locales, je dirais, restent au fond très locales. Et à partir du XIIe siècle, nous voyons que les évêques accomplissent plusieurs fois dans leur carrière d'évêque des voyages à Rome. Ils l'accomplissent pour recevoir leur investiture, puis à plusieurs occasions par la suite. Mais les papes, de leur côté, envoient souvent des légats. Leurs envoyés, donc,
ils envoient des légats dans les provinces. Autrement dit, un lien étroit se crée entre la papauté et les églises locales. Je l'évite ici, je ne peux pas vous le démontrer. Là, il faudrait beaucoup de temps. J'ai essayé de le faire dans mon livre. C'est, je crois, un facteur clé, l'influence de la papauté, qui était hostile aux ordalies, sur les évêques en particulier. Nous voyons que très souvent, ce sont les évêques qui freinent sur les ordalies. Alors, me direz-vous, pourquoi les papes étaient-ils hostiles aux ordalies? Rappelons quels sont les papes qui sont défavorables. J'ai cité Étienne V, nous sommes au 9e siècle. Les papes de la réforme grégorienne, Alexandre II, puis plus tard Alexandre III, 1159-1181, puis Innocent III, 1198-1216. Bon, ces papes invoquent des justifications, nous avons vu celle d'Alexandre II, il dit les ordalies sont des inventions populaires. Nous savons qu'elles ne sont pas des inventions populaires. Il dit qu'elle serait contraire aux canons. Mais les canons ne parlent pas, n'interdisent pas les ordalies. Contrairement aux duels judiciaires, les canons interdisent les duels judiciaires, ils n'interdisent pas les ordalies. Au contraire, il y a des textes liturgiques qui décrivent l'ordre qui doit être suivi pour les ordalies. Donc il faut chercher peut-être une autre raison. Alors ce n'est pas moi qui propose cette raison, mais je la prends à mon compte, c'est un historien américain, qui au fond pense que la raison tient à ce que un jugement de Dieu échappe à toute possibilité d'appel. On ne peut pas en appeler d'un jugement de Dieu. Et notamment, on ne peut pas en appeler à Rome. Et nous sommes justement à l'époque où la papauté se renforce, où la monarchie pontificale devient beaucoup plus centralisée, et on sent bien que la papauté ne se satisfait plus d'un mode de jugement qui lui échappe. Donc les églises locales sont favorables aux ordalies, et la papauté, eh bien non, celle-là lui échappe. Je crois que cette explication doit être prise en compte. Quant à l'interdiction de 1215, au 4e concile de Latran, il faut la comprendre, et cette fois c'est plus facile, en relation avec la mise en place d'une nouvelle procédure, qui est la procédure d'enquête, qui est mise en place durant le pontificat d'Innocent III. Désormais, vous voyez, l'Église préfère s'en remettre à des enquêtes par témoin pour lesquelles elle a défini une procédure. Alors en pratique, l'interdiction de 1215 aurait dû sonner le glas des ordalies, puisque sans prêtre, il est impossible d'en organiser. Disons que les choses sont loin d'être aussi simples. Il faut beaucoup de temps pour se défaire des vieilles habitudes. Et dans les régions périphériques de la chrétienté, eh bien, il s'en déroule toujours. On le voit en Hongrie au XIIIe siècle, on en voit en Germanie, on en voit en Espagne, mais même au cœur de la chrétienté, dans l'Italie, près de la papauté, et dans une région gagnée au droit savant depuis longtemps. En 1440, au beau milieu de son procès, Gilles de Rais, le monstre Gilles de Rais, demande à subir l'épreuve du feu, qui lui est refusée. Et en Bretagne, au XVIe siècle, des ordalies sont organisées, des ordalies ont lieu. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que, il y en a encore après d'ailleurs, je vais m'arrêter ici parce que j'ai été long. Je dirais seulement pour terminer, vous le voyez, l'idée du jugement de Dieu était quand même très prégnante dans la population. Thank you.